La pluie a fait enfin son apparition. Il était temps. Le jardinier de mon voisin était ravi ce matin. Vous tombez bien, mon cher Guillaume. J'ai suivi les derniers conseils de jeu de vos compères. Avec eux, c'est toujours l'arroseur arrosé. Sur la grille de départ du Prix de Beaune à Compiègne, 15 compétiteurs, après le forfait du 15 Cyrano de Paille, vont s'affronter sur la distance de 3800 mètres. Marie-Hure et le 6 à on Fire. Je sais que je prends un gros risque, surtout après sa bonne rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil. Je crains la deuxième course, après une longue absence, et je trouve qu'il a encore pris trop haut sur l'échelle des valeurs. Choisir, c'est renoncer. Je renonce. Mon tube est le 2, risque du brisé. Contrairement à beaucoup de ses adversaires, cet élève d'Arnaud Chaé-Chaillé est en condition avancée. Pénalisé de 3 kilos, je le crois capable d'élever son niveau de jeu sur un tracé qui avantage les concurrents qui aiment galoper aux avant-postes. Dépendant d'une écurie en grande forme, il doit batailler pour le podium. Mon tocard est le 11, Mambosson. C'est vrai que ce n'est pas le cheval de tout le monde. En effet, il n'a pas été revu en compétition depuis le 28 juin, mais sa valeur a fondu comme neige au soleil et il s'est déjà bien comporté sur l'hippodrome de Compiègne. En résumé, c'est un coup de poker qui ne bluffe pas. Le magot est bientôt dans votre poche. Je vous propose un quintet en champ réduit, Flexi 25, avec un X, le 2, le 5, le 9 et un X associé à l'As, au 3, au 4, au 10 et au 11 pour la somme de 10 euros. Après avoir donné mon pronostic à Raymond, il s'est mis à danser entre deux averses. Mon cher Guillaume, vous m'avez redonné du tonus. Je me prends pour Gene Kelly, c'est gagnant sous la pluie. N'oubliez pas, si vous voulez toucher un conseil d'amis, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.